Bonjour à toi, chers spectateurs, et donc bienvenue dans ce premier numéro de Au coin du DVD. Dans ce premier numéro, on va faire quelque chose de très simple. Déjà, je vais vous réexpliquer un petit peu le concept pour ceux qui n'étaient pas là pour la présentation. En gros, durant toute l'année, chaque mercredi matin, on va se retrouver ici et on va parler d'un film. Un film que j'aurais à peu près choisi, mais que je vais un peu piocher au hasard dans ma DVD Tech au fur et à mesure que l'année va évoluer. Bon, vous en doutez bien, comme c'est le premier numéro, je me suis demandé. Comment est-ce que je commence? Est-ce que je commence par ordre alphabétique, par ordre de préférence? J'ai décidé tout simplement de suivre l'alphabet. Mais dans ma DVD Tech, l'alphabet ne commence pas à la lettre A. Il commence par les chiffres. Et donc, j'ai regardé un petit peu les chiffres que j'avais dans ma DVD Tech et il y en a un qui m'a marqué. C'est une heure. 7h58 ce samedi-là de Sidney Lumet. Alors il faut savoir que ce film a un goût très particulier pour moi parce que Sidney Lumet, pour vous placer le contexte, c'est un metteur en scène que j'ai découvert assez tardivement grâce au film Network. Network qui est un chef-d'œuvre ultime, je vous conseille très fortement de le voir. C'est une œuvre quasi totale sur le journalisme et surtout sur les dérives du journalisme. C'est particulièrement intéressant. Mais au-delà de ça, Sidney Lumet est un metteur en scène qui a parcouru l'histoire du cinéma. C'est-à-dire qu'il est surtout connu pour avoir réalisé dans les années 50 un film qui est devenu un classique enseigné dans les écoles de cinéma, qui se nomme 12 hommes en colère. 12 hommes en colère, je pense que vous connaissez forcément, ou au moins vous en avez déjà entendu parler. C'est un film qui est absolument magistral, un film qui est à la fois enseigné dans les écoles de cinéma, mais également dans les écoles de magistrature, tellement Sidney Lumet a réussi à capter quelque chose de rare. Et donc, pourquoi je replace ce contexte-là? Parce que 7h58 ce samedi-là, c'est le dernier long métrage de Sidney Lumet, juste avant qu'il meure. Donc là-dedans, il y a une synthèse, en quelque sorte, de son cinéma. Et ça se ressent. C'est une œuvre totale si on est amoureux de ce metteur en scène. Et bien au-delà de ça, c'est une œuvre que je pense qu'il faut réhabiliter. Parce que mine de rien, lorsque 7h58 ce samedi-là est sorti dans les salles de cinéma, bah il a fait un four. Mais le genre de four qui vous fout la haine. Le genre de four qui montre à quel point un grand metteur en scène, sur la fin de sa carrière, il est incapable de réussir à conquérir un nouveau public. Et pourtant, Dieu sait que sur le papier, il avait tout pour conquérir le grand public. Il avait un pitch super accrocheur, il avait deux acteurs extraordinaires, il avait une ambition démesurée en termes de mise en scène, et il avait surtout envie de nous embarquer dans un vrai trip. Un trip qui soit à la fois un trip psychologique, mais en même temps une œuvre de genre pur, en même temps qu'un drame familial, qu'un film de gangster, qu'un film de braquage. Bref, c'est un film qui rassemble tellement de choses, je trouve, 7h58 ce samedi-là, que je ne comprends pas pourquoi, quand il est sorti, il a été autant mis de côté. C'est-à-dire, mis de côté, quand je vous dis ça, c'est pas juste mis de côté parce que c'était genre il est mal sorti ou il est sorti au mauvais moment. C'est-à-dire que littéralement, malgré les têtes d'affiche que sont Ethan Hawke et Philip Seymour Hoffman, malgré donc la présence de Sidney Lumet, malgré un pitch hyper prometteur, eh ben, pas de nomination aux Golden Globes ni aux Oscars, ni dans aucune autre cérémonie du monde. Une distribution catastrophique, malgré une critique dithyrambique et des spectateurs qui sont en train de se dire « Ouais, mais bon, franchement, c'est pas ouf comme concept, c'est un peu limité. » Ben, ça fait mal au cœur. Je vous le dis très sincèrement, ça fait mal au cœur parce que moi, j'ai vraiment envie de vous conseiller de regarder 7h58 ce samedi-là. Parce que bien au-delà d'être un film maîtrisé, bien au-delà d'être un film très intelligent, bien au-delà d'être un film qui a des choses à raconter, à la fois sur le cinéma ou juste en termes d'histoire, c'est une œuvre qui synthétise parfaitement le travail d'un metteur en scène qui, tout au long de sa carrière, a cherché à nous entraîner dans une direction, celle d'un trip cinématographique total. Et sans le moindre doute, 7h58 ce samedi-là est un trip cinématographique total de la part de Sidney Lumet. Donc si vous avez moyen de le regarder, allez-y. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous continuerons à aborder ma DVD Tech dans cette fameuse émission qui se nomme Au coin du DVD. Et surtout, n'oubliez pas, il y a bien des secrets dans une jaquette de DVD.